Les nations sont bloquées. L'économie est bloquée. Confinement total. Crise financière. Les nations entières ont fermé les frontières. Entreprises fermées. Écoles fermées. Commerce fermé. Restaurants fermés. Églises fermées. Les événements sont annulés. Plus de rassemblements. Des deuils solitaires. Des drames qui ont lieu en secret. Angoisse, peur, stress, égoïsme, désobéissance. Voilà ce qui arrive lorsqu'on rejette Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu dans les écoles, nous ne voulons pas de Dieu dans les entreprises. Pas de Dieu dans nos vies. Nous ne voulons pas obéir aux commandements. Dieu est gentleman. Là où on ne veut pas de lui, il ne vient pas. Immoralité sexuelle, mensonge, adultère, orgueil, c'est ce qu'il a en horreur. La bonne nouvelle de ce confinement, il donne du repos à ceux qui travaillent beaucoup. Du temps à passer avec sa famille, avec ses enfants. Du temps à passer avec son conjoint. De l'ordre à mettre dans sa maison. De l'ordre à mettre dans ses pensées. Du temps pour soi. Du temps pour la réflexion, pour la méditation. Du temps pour prier. Du temps pour se repentir. Du temps pour aimer son prochain. Du temps pour encourager. Du temps pour chercher Dieu. Il est là. Il t'attend. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Salut au nom précis de Jésus. Amen. Et tout est presque arrêté. Nous sommes en train. Et tout doit être au ralenti. Mais nous sommes en train de se faire. Et c'est ce que nous attendons en ce moment. Et c'est ce que nous attendons en ce moment. Restez chez vous. Ne sortez pas. Et vous ne réussissez pas. Pas plus de 20 personnes. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa. Mais seulement en Afrique. En Europe. Mais Europe. Aux États-Unis. Ça ne concerne pas seulement les pauvres. Et les hommes riches. Et les puissants. Arrêtez et restez chez vous. Ne sortez pas. N'ouvrez pas des magasins. N'ouvrez pas des entreprises. N'allez pas dans les bureaux. N'allez pas à l'école. N'allez pas à l'église. Quelque part, okay, et si même les hommes d'affaires, ils ne peuvent plus y aller dans les affaires, okay, comme d'ordinaire. Ceux qui aiment les bureaux, oh, bah, bureau. Ils sont loin de leur bureau. Mais ça, la bureau. Nous qui aimons la chair, et sont on a peur de la chair, donc, on a peur du microphone, on a peur de son interprète, on ne sait plus à qui se soigner, on ne peut plus se toucher. Le virus est possible à la interdit, et éviter les toucher. Est-ce la fin du monde? Je ne sais pas. C'est seulement la Bible n'a jamais annoncé que l'histoire de l'humanité s'arrêterait avec une maladie. La Bible ne confirme que la fin du monde aura lieu lorsque la bonne nouvelle est envoyée. C'est la péché c'est avec le retour de Jésus que le système actuel sera changé. Le Covid-19 a obligé le monde entier à réduire sa vie.
vitesse de l'ascension. Ou carrément. Et que le poil ne soit pas devenu.
enfermera pendant 7 jours celui qui a la porte. Et la Bible est en train de répondre qu'il fallait mettre cette personne en quarantaine pour des raisons de santé. Et dans ce texte que nous lisons, il s'agit d'une maladie qu'on appelle la lèpre. Mais c'est d'une manière générale une maladie de peau. Une maladie qui Et alors la Bible dit que si vous suspectez qu'il y a probabilité que la personne soit en train de souffrir d'une maladie contagieuse, il est recommandé de mettre cette personne en quarantaine pour des raisons sanitaires. Il est autorisé dans la Bible de mettre certaines personnes en quarantaine pour éviter la propagation de la maladie. Lévitique chapitre 13, le sacrificateur l'examinera le sacrifice. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendu sur lui, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Et ici on constate qu'il y a un premier test. Et on était pas sûr du résultat. Et alors on demande à cette personne de nous révéler qu'on puisse isoler un peu le résultat afin de dire que le cas est négatif. Et donc il est bibliquement recommandé que certaines personnes ont été pour des raisons de santé, pour des raisons pour éviter la propagation pour la maladie. Des maladies par exemple. Le confinement est difficile. La Bible recommande qu'il faut confiner cette personne pour des raisons de santé. Pour et c'est ce que l'humanité a fait de vivre. Il doit mettre certaines personnes en quarantaine. Il doit isoler certaines personnes. Ou encore demander à d'autres personnes de rester confinées dans la même maison pour éviter la contamination. Parce que le Seigneur avait ordonné à son peuple de prendre des maladies contagieuses. Et c'est maladie ne sera pas. Et c'est maladie mais il y a beaucoup de ministres. Et c'est que nous avons un peu de temps. Ou alors carrément, demander à d'autres personnes de rester loin. Et c'est qui constitue le confinement. Oh, mais ça dit que pour ça, la confinement. Et ça n'a pas de quand la Bible nous recommande de faire des années pour vu son dans le livre du prophète chapitre 26, verset 20, Esaïe 26, verset 20, la parole de Dieu nous dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte de l'époi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la porte. Mon peuple la colère. Lorsqu'il est en train de déverser sa colère, il demande à son peuple de rester à l'écart jusqu'à ce que sa colère passe. Jusqu'à ce que le fléau passe. Il faut que le peuple de Dieu ait un mariage. Soit un confinement resté dans la maison. Il faut sortir et rester dans la maison. Il ne faut pas courir les risques de se confondre. Parce qu'elle a été frappée de la mise à quarantaine.
Parce que l'ange
Quitter l'Égypte. C'est là pour être finalement libéré. Pour être
kasi makasa zaza bongo kaka etika ya kotika na ya eza na ba betida ya kotia makila ni kolone zango pe kotika la wana la bosada oh kolo bosada eza kona botosi wana Israël s'est retrouvé libéré. Ce matin là, lorsque les gens se sont réveillés, il y avait deux sortes de sentiments. Le malheur d'un côté, passe dans ceux qui ne s'étaient pas transformés, et la joie de l'autre côté, pour ceux qui sont restés consolés, la composition de la vie. Frères et sœurs, je ne fais pas de politique, je ne sais pas pourquoi, on m'a donné l'ordre de parce que je suis dit que la combat de Bissama. Parce que j'ai vu le commandant. Et le combat de Bissama. Et ça n'a pas mouillé, mais ma carte. Il y a son qui l'a pas fait. Et sur les amis, il y a un livre de Josué. Dans beaucoup de Josué. Dans le chapitre 3, verset 18, verset 19. On nous parle de l'homme de Bissama. Et si Josué. Ah ouais, Josué. La condition de commande. Alors, qui succédait à Moïse, il est devenu le dirigeant de l'homme 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 la boga wa kemi sama c'était la ville de Jéricho. Bon côté la bon moto boy. Après bon côté pour la proposa. Casse va manger pour ça qui. Dans ma porte qui. Les services de sécurité. Bon bon les hommes répertoriés non. Bon les sont suspects. Il ressemble. On les a poursuivis. Et la Bible, comme vous le savez, nous dit que ces deux espions sont allés dans la maison d'une femme prostituée. Cette femme prostituée a reconnu que ce sont des espions. Ils sont venus pour une mission. La mission de conquérir ce pays. La mission de détruire ce pays. Et tel que nous le savons, conformément à leur histoire, nous ne pouvons pas les résister. Mais malgré cette situation, maintenant, ce n'est pas le cas de séduire. Ce n'est pas le moment de changer d'attitude. Maintenant, ce n'est pas le moment de monter des mini-jupes pour séduire ces personnes. C'était un autre moment. Les moments comme celui-ci, lorsque l'humanité tout entière est en train de se poser des questions sur son avenir, je pense que les enfants de Dieu accepteraient mieux de rester dans les confinements afin de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude prendre? Comment se comporter? Est-ce qu'il faut continuer à faire que la constitution a abattu ce n'est pas le moment qu'elle reçoit les espions et elle leur explique ce qui se passe. Elle leur donne de la réalité de ce qui se passe. On leur file. Écoutez, nous savons que vous allez partir. Mais écoutez, lorsque vous reviendrez pour prendre cette ville, quelle assurance? Mais donnez-vous que vous sauverez ma vie, 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 que vous sauverez ma Kamisa défile gramoisie à la fenêtre. Oui, gramoisie oyo. À la fenêtre. La fenêtre là. À laquelle? Oyo kani. Tu nous as fait descendre. Au kiti c'est le buisson. Et recueille auprès de toi. Mais Zomisa est pas là. Dans la maison de ton. Ah, les Zomana ndako na tata na yo. Ta mère. Ta mère. Dans la maison.
Makila la mambo. Na meto na biso. Et tinda ya kobanda misami. Manongi balobi na mwasi ola ekoko. Et delika na moko. Et obi. Lorsque nous viendrons de tout. Dans ton ya kobemi sa ngumba o. Et d'être confiné. Et sele kobanda misama. Basta mana na kwa mama na ngo. Na evite. Dans vos bonnes et cette promesse, dans la mais je ne le pas qu'est-ce que vous allez me donner comme vous pouvez s'en aller comme vous voulez. Oui, c'est une chose la combattre à l'endroit pour vous, la madame, au nom de la vie. La combattre à l'endroit pour tout ce temps, la madame, au nom de les amis, comme le nom de la vie, 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 les amis, comme le oui, j'allais porter sa maquille, la moine a passé. Oui, j'allais porter sa mouille, battre la carte. Ceux qui vont vivre là-dedans. Oui, battre la carte. La maquille, la moine a passé. Quelques choses. Bélo, comme vous arrivez. Et j'ai dit, les bandes d'abord. Vous allez mourir. Et nous serons innocents devant vous. Et nous serons innocents devant vous. Mais nous vous donnerons une assurance. Si vous restez dans cette maison, rien ne vous arrivera. Et le bonheur pour la vie. Il continue à dire que lorsque Israël est entré, dans le Sahel a fait le Israël a salarié ma cause, beaucoup et le septième jour, pour la salle, fait sept autres tours, pour la salle, 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 pour la et si quand est le roi, il y a un Yahweh qui s'appelle. Il y avait des gens qui croyaient à cette bouche. Ces gens ont accepté de rester confinés. Le jour où les esprits sont sortis, où ils sont revenus, ces gens étaient confinés. Pour des familles confinées dans une maison, le père est détruit par la maison, l'ordre de confinement fait de ça. Pourquoi le Seigneur permet que nous sommes confinés afin d'éviter les difficultés, afin d'éviter les fléaux, afin d'éviter les problèmes, afin d'éviter l'humanité. Restez dans cette maison, ne quittez pas cette maison. Pour vivre dans cette maison, pour vivre dans quelque chose, et des locaux, et des lions, nous serons innocents. Et pour vivre dans cette maison, pour vivre dans quelque chose, et battre les bâtons de la maison, qui n'a pas plus intelligent, pour qui a donné cet ordre, et des âmes et la présence qui n'a pas plus préoccupé, pour les qui s'en vie, et il parle d'un zambo dans les montagnes. Zambo est le plus grand poste de l'Église. Parce que tant que tu es tout ça n'est-il pas. Parce que cet ordre de foi ne vient pas de la Bible. Et où t'as la Bible à dire. Parce que tu as tout la même tout. Mais qui êtes-vous? Parce que vous nous demandez de rester confiants. Oui, parce que la Bible est tout ce qu'elle a fait. Quelles que soient les seigneurs, tant que ce soit l'eau, c'est les choses ordinaires. Pour donner de l'essence à ses enfants. Pour la popée, ça tourne à part. Parce que cette maladie est venue juste nous permettre de rester en paix, isolé dans nos maisons, afin de réfléchir sur l'éternité. Afin de réfléchir sur ce que si cette humanité, où va l'humanité? Le confinement. Avant la grande réforme. La réforme à l'époque d'Élie. Na Samonelia, qui symbolise la grande réforme de fait des moments au nerf. Le Seigneur a permis à cette personne de rester isolée. Et d'attirer la combattante. Attirer la combattante, mais ça ne peut pas être dit. Par contre, il y a un chapitre de la Sabot. Et là, il y a un chapitre de la Sabot. Et la parole de l'Éternel. Et le Banagolo. Et le Bissamin à Élie. Part d'ici. Le roi est si grand. Vers l'Orient et cache-toi Batama près du torrent. Je souligne même cet ordre en vie qui a Élie le prophète. Alors, quitte cet endroit, quitte Samarie, l'envoie Samarie, tu avais une belle maison dans cette maison, va et cache-toi près du torrent qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de se nourrir là l'ordre de se cacher dans le torrent ou près du torrent plutôt
Venez la Torah. Allez en dehors de la ville. Vous allez se cacher. On a combattu. Les sœurs, c'est maman Babélie. Les enfants de Dieu seront obligés d'aller s'isoler loin de la ville. Isolez-vous. Si vous habitez dans une ville, évitez un peu cet accouchement. Va à Sareta. Quel est la Sareta? Qui appartient à Sidon? Oui, ça y est, à Sidon. Et demeure là. Mais où la bonne? Voici. Tala. Tu es ordonné. La personne qui est là. La moi si on fait mon bail. Et d'aller Sareta. Tu ordonnes. La zamba donc c'est Tita. Le sousou. À son serviteur. La Mosaïda. Dès qu'il fait le Torah. Alors va bien la Torah. Sécheresse. Prêtez vos gants de l'air. Oui, c'est toi qui es là. Ce qui est bon dans la terre,
Dans les ressources
Tous d'elles comme un accord.
persévérer dans la bataille avec les femmes et Marie, mère de Jésus, Marie, maman de Jésus, et avec le frère de Jésus. Il est dans la chambre de Dieu. Après de confesser les péchés, après de réconcilier les gens, après de réclamer la puissance de Dieu, après de demander à Dieu de leur doter de cette puissance, de sortir de sortir de cette confinement, le monde a dit sache que tu es au ciel, en fait de sortir de ce confinement, le monde a dit sache que tu deviens de Dieu, en fait de sortir de ce confinement, le monde a dit sache que tu délivres, en fait de sortir de ce confinement, Il fait du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Et il rentre dans la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de se exprimer. Les dons de l'âme qui ne concernent. Mais ils ne puissent pas les confinements. Parce qu'ils étaient confinés. Ils ont réclamé cette puissance. Et derrière les matons de cette puissance. Les esprits les ont transformés. Les esprits ont commencé à se comporter comme des esprits. Ils ont commencé à parler de l'âme comme jamais auparavant. Ils ont surpris ce qui était à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur. Au milieu de la grande crise sanitaire, de COVID-19, à laquelle notre monde est confronté, prions pour nos nombreux professionnels de santé, les médecins, les infirmiers.
infirmiers qui sont en train de travailler pour sauver des vies. Prions ensemble pour les membres de notre église, spécialement pour ceux qui vivent en Italie, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Espagne, ceux qui sont en Allemagne, car ce sont les régions qui remarquent toujours par la pandémie, et Dieu le délivre, et les espoirs de la puissance dans leur confinement. Prions, frères et sœurs, pour les membres de l'église et les professionnels, les santés à New York, l'une des régions les plus Amen. Les nations sont bloquées. L'économie est bloquée. Confinement total. Crise financière. Les nations entières ont fermé les frontières. Entreprises fermées. Écoles fermées. Commerce fermé. Restaurants fermés. Églises fermées. Les événements sont annulés. Plus de rassemblements. Des deuils solitaires, des drames qui ont lieu en secret. Angoisse, peur, stress, égoïsme, désobéissance. Voilà ce qui arrive lorsqu'on rejette Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu dans les écoles, nous ne voulons pas de Dieu dans les entreprises. Pas de Dieu dans nos vies. Nous ne voulons pas obéir aux commandements. Dieu est gentleman. Là où on ne veut pas de lui, il ne vient pas. Immoralité sexuelle, mensonge, adultère, orgueil, c'est ce qu'il a en horreur. La bonne nouvelle de ce confinement, il donne du repos à ceux qui travaillent beaucoup. Du temps à passer avec sa famille, avec ses enfants. Du temps à passer avec son conjoint. De l'ordre à mettre dans sa maison. De l'ordre à mettre dans ses pensées. Du temps pour soi. Du temps pour la réflexion, pour la méditation, du temps pour prier, du temps pour se repentir, du temps pour aimer son prochain, du temps pour encourager, du temps pour chercher Dieu. Il est là, il t'attend. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.